Madame la Sûreté civile, messieurs les chefs de service des forces de défense et de sécurité, respectés représentants de la notabilité et confession religieuse, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport d'intervention au premier dossier de l'exercice 2021, conformément au calendrier d'orientation mentionné dans la correspondance du livre de l'Église du 15 janvier 2021. Grande présentation de la collectivité. Petit A, nombre de conseillers élus 23. Petit B, nombre de conseillers fonctionnels 22. Nombre de conseillers non fonctionnels 1. Raison personnelle. Comme proposition et solution référence au code révisé des collectivités 2017. Petit D, nombre de sessions tenues. 2 sur 4 pour des raisons de Covid-19. Grand des budgets. Grand à exécution du budget PAI en Afrique 2020. Grand à 1 budget. Fonctionnement, prédiction. 320 053 066 francs. Réalisation, 82 233 704 francs. Reste à réaliser 238 304 356 francs. Taux de réalisation 25,65%. Investissement. Prévision. 4 669 666 070 francs. Réalisation. 4 391 224 043 francs. Reste à réaliser 278 442 027 francs. Taux de réalisation 94,03%. Grand A2 PAI. A, petit A, niveau commune, action programmée 2020. La construction d'un bloc polyvalent à hauteur de 203 015 000. La construction d'un terrain de foot à Mandiana 1 à hauteur de 201 645 000. Appui au groupement féminin 124 millions. Achat de 8 motos pour les chefs de quartier, 84 millions. Achat de 3 cyclistes pour les actions de revêtement, 45 millions. Appui à l'union de pêcheurs, confection de 2 pirogues et achat de 2 motos, moteurs et des filets de pêche, 124 millions, 48 980 francs. Achat de 11 machines à coudre pour le centre de l'enfant, 16 millions 700 000. Achat de 11 motos. Autoculteur, 225 millions. Réalisation de 24 forages, 1 800 millions. Assainissement, 184 051 027. Appui à l'éducation et à la santé, 76 756 063 francs. Travaux de la gare routière, 74 706 256. Ouverture des routes, 270 millions. Appui aux opérations de recensement, 9 800 000. Protection environnementale, reboisement, 2 100 000. Éclairage public, 175 millions. Construction d'un terrain de football, action de droit, 350 millions. Les équipements de la carte communale, 27 350 000. Mise en activité du CAF, 763 300 000. Action réalisée. Assainissement 89 millions 2750 francs. Entre autres, dragage de la rivière centrale Farani et le virage de Calibo de 5 km de butine. Travaux de la gare routière Biro, 74 706 250 francs. Protection environnementale 2 100 000. Appui aux opérations de recensement 9 800 000. Appui à l'éducation et à la santé, 76 756 063 francs, dont entre autres, kit sanitaire thermofrance savon pour les écoles de la CNU, prise en charge du personnel de la barrière sanitaire à la rentrée de la ville pendant 3 mois, électrification du CDP, la construction d'un bloc polyvalent, 203 millions 15 000 francs, la construction d'un terrain de foot à Mandiana, 201 645 000. Appui au groupement féminin 124 millions.
achat de 8 motos pour les chefs de quartier, 84 millions. Achat de 3 cycles tricycles pour les actions de revêtement, 45 millions. Appui à l'union des pêcheurs, confection de 2 pilotes et achat de 2 moteurs et des filets de pêche, 124 millions 048 980 francs. Achat de 11 machines à poudre pour le centre NAFA, 16 millions 500 000. Achat de 11 motocultures, 225 millions. Financement de 24 forages, 1 milliard 800 millions. La construction d'un terrain de haute taxe, 350 millions. Mise en activité du CAF, 763 millions 300 000 francs. Donc voici le détail. Une usine d'eau à 30 millions. Moulin pour le peuple de qualité, 12 millions 300. Installation des appareils, 11 millions. Achat des bassins, 504 millions. Formation des groupements durant 34 jours, 106 millions. Achat d'une pompe électrique, 5 millions. Achat des matières premières pour la teinture, 51 millions. Achat des matières premières pour la certification, 44 millions. B. Niveau district secteur, Zanguera. Construction d'une école de 3 classes. La source de financement, BNLD et Anafrique. Cognac. La construction d'une école de 6 classes entièrement financée par l'État. La construction de 2 écoles franco-arabes de 7 classes entièrement financée par la communauté. Bada. La construction d'une école de 2 classes entièrement financée par la communauté. Odokosa. La construction d'une école de 2 classes entièrement financée par la communauté. Anafrique 2020. Prévision 763 217 968 francs. 1. Construction et équipement d'un cafétéria dans l'enceinte de la mairie, 36 591 531 francs. 2. Construction d'un parking de 5 véhicules, 39 963 569 francs. 3. Équipement de nombreux équipements de certains bureaux de la mairie, une dotation de 3 motos, 103 986 francs. 4. Construction d'une clôture semi-grillagée, 193 164 807 francs. 5. Réalisation de deux forages, 196 41 488 francs. 6. Construction de 4 blocs de batterie, 193 980 583 francs. NB, ce modèle programmé 2020 sera exécuté en 2021. Grand B, projet PAI en Afrique 2021. Initial budget 801 345 150 plus 2%, ça fait 817 372 053. Donc 40% pour le fonctionnement, hauteur de 326 948 821 francs. 60% pour l'investissement, 490 423 232. Revenu du secteur minier 50 millions, dont il est 1 972 027 802 francs. Montant de fonctionnement 326 948 821 francs. Montant de l'investissement 2 512 451 034 francs. Total budget propre. 2 839 399 855 francs guinéens. Action programmée au niveau commun. 1. Rénovation au tête de ville, coût prévisionnel 153 850 000 francs. Assainissement coût prévisionnel 230 422 350 francs. Reboisement coût prévisionnel 76 240 000 francs. Éclairage public coût 305 millions, revêtement et ouverture de route coût 1 milliard 80 millions. Entretien des points de route 45 millions, reconstruction des magasins de la gare routière coût 548 375 200 francs. 8. Appui à l'éducation et à la santé 73 563 484 francs guinéens. Niveau d'exécution pour le moment NEA. Niveau district secteur. RAS aussi. En Afrique 2021, promesse de financement d'un montant de 1 milliard 300 millions. Grand 3, enregistrement des faits d'état civil.
Total général des actes établis, 1398. Situation de forage. Nombre total de forage 73, fonctionnel 66, non fonctionnel 07. Montant recouvré 22 millions. Grâce à une situation de conflit, conflit domaniaux entre Badar et la commune urbaine et Guerabou dans la CR de Franaco, à l'attente d'une décision judiciaire depuis 2019. 36, rapport entre collectivité et tutelle au beau fixe. 37, difficulté de suggestion. Difficulté, la dégradation poussée de nos routes rendant ainsi impraticable la quasi-totalité des endroits de la ville. Comme suggestion, plaidoyer auprès de l'État à travers la préfecture pour la prise en charge et l'entretien de l'ensemble du réseau routier de la commune urbaine. Difficulté, les installations vétustes et insignifiantes de la SEC dans la CI. Le renouvellement et l'extension de la SEC conformément à la politique de gestion d'eau en Guinée. Difficulté, insuffisance des sacs et placés de clôture du niveau des écoles primaires, l'extension des écoles primaires et la construction des clôtures comme suggestion. Difficulté, insuffisance d'autoroute du personnel enseignant, suggestion affectation des nombres suffisants d'enseignants. Difficulté, manque de points d'eau dans la plupart des écoles primaires, réalisation de points d'eau dans les écoles comme suggestion. Difficulté, menace environnementale de la source de la rivière Farané, le curage et le reboisement de la source Farané, comme suggestion. Difficulté, dégradation poussée de certains établissements publics, comme suggestion, rénovation des écoles en état de vétusté. Difficulté, insuffisance d'équipement de bureaux, manque de moyens logistiques dont un camion pleine pour l'assainissement. Comme suggestion, la dotation en bœuf du bureau et dotation en moyens logistiques. Difficulté, insuffisance en lit d'hôpital dans les centres de santé et groupes électrogènes, dotation en groupe et les lits. Difficulté, insuffisance de financement par l'ANAFIP due à la sous-estimation de la population. Comme suggestion, la prise en charge effective des 44 443 habitants au lieu de 27 791 pour le rehaussement du montant de l'ANAFIP. Difficulté, manque d'outils informatiques pour le service d'état civil et le secrétariat. Dotation en outils informatiques comme suggestion. Difficulté, insuffisance de couverture totale du réseau électrique énergie dans la ville et la faiblesse de la capacité du groupe électrogène d'énergie. Comme suggestion, extension du réseau électrique et changement ou dotation d'un groupe électrogène plus puissant. Je vous remercie. Merci, monsieur.